même, un peu la même qu'après Slovaquie, mais on a gagné aujourd'hui, je pense. On a bien joué. Deuxième mi-temps, au début, on a donné quelques occasions à eux, mais on a créé beaucoup d'occasions et on mérite de gagner. Je pense qu'on a bien joué. Le premier but, il arrive rapidement. Le deuxième n'arrive pas. Est-ce qu'à un moment, ça vous a fait douter? Je pense que ça va encore. Je sais qu'on a fait quelques erreurs et donné quelques occasions, mais je pense qu'on a bien joué offensivement, défensivement. Mais parfois, tu fais des erreurs et aujourd'hui, ils n'ont pas marqué, mais je pense qu'on a bien joué aujourd'hui. Bon, c'est le premier assist de Koen Castells et c'est pour vous. Ouais, parfois, c'est le foot. Hein. Tu crées beaucoup d'occasions, tu ne marques pas et après, c'est un long ballon et j'ai trouvé l'espace et j'étais juste à temps de pousser dedans. Romelu Lukaku a son troisième but annulé dans l'Euro. C'est vous qui le lancez. Ici, c'est pour 1 cm. On a vu les images. C'est ralent, il doit râler, on l'imagine. Ouais, mais on crée des occasions et il marque toujours. Tu vois, il a 3 fois marqué. Il est là quand il doit être là et il va encore marquer pour nous les prochains matchs. La Belgique est lancée dans cet Euro? J'espère. On doit jouer le dernier match qu'on a joué aujourd'hui, le premier match aussi. Et on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Als ik de jongens kan meenemen op sleeptouw, dan weet ik dat ze gaan volgen. En de passie, de kracht, de energie dat deze ploeg heeft, is top. En ik denk dat ik hun nog een beetje kan bijleren op de manier dat we de bal kunnen bijhouden. Dat we een pak beter hebben gedaan, vooral de eerste helft. En oké, ik wil deze jongens proberen meepakken in de tijd dat ik nog voor België speel. En daarna moeten zij het overnemen van mij. Ik heb het gevoel dat veel nieuwe jongens zijn gekomen. En veel jongens misschien... Oké, er zijn natuurlijk spelers die al meerdere toernooien hebben gespeeld. Maar er zijn ook veel jongens die de eerste keer komen kijken. Of toch tenminste de eerste keer spelen. En dat geeft mij toch het gevoel dat ik hun op de beste manier kan helpen. En een beetje de verantwoordelijkheid nemen. Omdat ik ook natuurlijk in een van de beste ploegen ter wereld voor de laatste 10 jaar eigenlijk heb gespeeld. Dus eigenlijk mijn kennis wil doorgeven. En natuurlijk, er zal ooit een moment zijn. Ik heb er nog niet echt over nagedacht wanneer. Maar ik wil natuurlijk als ik stop, dat België hetzelfde blijft doen. We hebben zo... sinds ik eigenlijk ben begonnen, zoveel mooie momenten. Alle toernooien hebben meegespeeld, wat eigenlijk voor België daarvoor niet vaak gebeurde. Dus daarna is het aan anderen om dat over te nemen. En ik wil al mijn kennis, of als ze dat willen leren, hun bijbrengen. Maar niet zozeer dat ik weer nagedacht heb of hoe of wat in de toekomst.